J'ai travaillé de nombreuses années comme agriculteur biologique en France. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir travailler ici et de par les connaissances que j'ai, de pouvoir conseiller les gens et de toujours être à l'écoute, c'est quelque chose de vraiment motivant. En fait, moi, de travailler ici, ça m'enchante vraiment parce que c'est vrai que j'étais tout seul dans mon champ. J'avais pas beaucoup de contacts humains. Bonjour Laetitia. Bonjour Pierre. En forme ? Oui, et toi ? Impeccable. Je me dis maintenant, j'ai la chance de pouvoir être du côté le plus agréable de la barrière à la limite parce que je peux parler avec le client, je peux partager ma passion. Que quand on est tout seul, quoi. Quand on voit les légumes, il y a comme une histoire derrière. Quand je travaille ici, je repense à tout le parcours. Parfois, je me demande comment est-ce qu'ils font pour avoir une telle fraîcheur. Chaque fois, quand je travaille ici tous les jours, je reste assez bouche bée. Parce que je me dis, ils arrivent à faire de la fraîcheur en grande quantité. Et ça, franchement, c'est un beau défi qui est relevé. Donc, toute cette saison, ben, c'est les prunes, les pêches. Les petits poils, ils sont là quand elle a juste quelques heures. Donc, quand on voit une courgette comme ça, on est certain qu'on est sur de l'ultra frais. S'il y a des clients qui pensent que c'est pas du bio, ben franchement, je veux dire, pour chaque légume, je pourrais trouver un signe biologique irréfutable. Quand moi, je cueille mes salades dans le champ, en fait, il n'y a pas de différence. Quand on voit qu'il y a plein de vie, il y a quelques pucerons, il y a des trips. Bon, là, je vous parle un petit peu en langage un petit peu scientifique, mais je veux dire, c'est plein de vie, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment enchanté. Mais là, j'ai... Pierre, t'es unique. Ne pas tomber malade avant l'âge, enfin, moi, ça me donne vraiment une bonne vocation, quoi. C'est même pour ça qu'en fait, que ça me donne envie de... T'aimerais bien devenir nutritionniste. Ouais, exactement. La nutrition, je commence vraiment à m'y intéresser depuis que je travaille ici parce qu'il y a un tel choix dans ce magasin qu'on ne peut pas faire autrement que de s'y intéresser. Parce que quand les clients vous posent des questions, on va dire que petit à petit, on fait des recherches par soi-même. On apprend davantage sur les fournisseurs, on en apprend sur les nouveaux produits. Donc en fait, on a un savoir que le client n'a pas, donc on se sent vraiment utile. C'est pas juste mettre des boîtes en rayon, quoi. C'est plus que ça. Enfin, client-vendeur, non, c'est un moment de partage. C'est très bon, avec un petit goût d'amande, c'est vraiment parfait, quoi.